Attends, me dire que... Et puis il y a ce problème de Teki, il a des horribles poils sur la tête, c'est terriblement répugnant. C'est quoi, je pense que je vais prendre mes... C'est vraiment une carène, hein. Genre, on vient de réparer les rails et tout, tout fonctionne, mais son problème, c'est que le mec, il a une moustache, quoi. Vous savez quoi, je serais mieux de prendre mon argent et de le mettre ailleurs. Oh, bah c'est sorti, ça va mieux, hein. Quoi, aller à la maison, non. Je vais pas m'abandonner, je vais aller voir ce qu'il y a autour. Une vraie carène. Salut, où est ton cum? C'était censé être un date marrant, mais... Mon date est allé aux toilettes et n'est jamais revenu. Et maintenant, le père Issou, il marche à nouveau, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Hé! Hey oh! Il y a quelqu'un ici! Ah, je pense qu'elle dit ça. Bon, je peux juste pas trouver le bon mot. Sors d'ici, on pourra t'aider. Sors d'ici! Salut! C'est l'entrée du Ferris Wheel. Est-ce que vous voulez faire un tour? Bah oui, vas-y. Appréciez votre balade. Quoi, je peux avoir un date mignon aussi. Pourquoi y a un couple qui se bat là-bas? Waouh! On a une belle vue d'ici. Tout le monde est si petit, il ressemble à des petites graines. Pendant que notre date se bat bien, il y avait un couple qui se battait dans son Ferris Wheel. Faites attention au marché, merci beaucoup. Ça va? Salut! Salut! Eux, ça doit être des personnages de la série aussi parce qu'ils sont beaucoup trop designés. Salut Bijou! Oh, et salut Amtaro! Honnêtement, je suis seulement là parce que ma soeur m'a demandé de passer la journée avec elle et Max Will. Et maintenant, tout ce qu'elle veut. Ce que mec, qu'est-ce que. 1, 3. Tout ce que ce mec veut, c'est lire des livres. Comment tu peux être faire comme ça? Et ma soeur, bah, elle est en colère, bien sûr! Et qu'est-ce que je suis censé foutre dans ce bordel, hein? D'accord, donc ça c'est ta sœur jumelle, je suppose. Ah, vous voulez écouter mon histoire? Je suis venue de loin pour avoir du Funland avec Maxwell. Mais tout ce qu'il fait, c'est lire son livre. C'est tellement ennuyeux. Peut-être que c'est pas ton genre de personne. Ah, merci Bijou. T'as vraiment compris mes inquiétudes, n'est-ce pas? Bon, c'est ça, écoutez, j'ai une bonne idée. Est-ce que vous pourriez am team et me donner un coup de main? J'ai ma petite sœur après tout, donc s'il vous plaît. Am team, c'est faire équipe. Vous avez appris à Am-Team. Allez-vous faire la faveur de Stan? Merde. Oh, je vois, c'est drôle, mais c'est ok. Mais vous êtes des stars de jeux vidéo, vous pouvez pas m'abandonner dans ce besoin. Pardon. On l'a refait. Vraiment!
Ça, c'est une façon de parler, bijou. C'est la meuf pour de qui je suis tombé amoureux. Bon, ben, voici le truc. C'est ça, juste prenez Shippé à Maxwell son bouquin. Ça le réveillera, non? Et bien sûr, vous partez juste, c'est pas un super plan. Je sais pas comment tu vas. Allez, ça va marcher, ça doit marcher. Allez récupérer, je serai ici en train d'attendre la bonne nouvelle. Quoi? Mon bouquin, il est parti! Allez, Astaro, arrête de me faire des blagues comme ça! Pourquoi vous voudriez pas juste me laisser lire? Alors, retente. C'est vrai qu'ils sont plus grands pour moi. Quoi, vous avez pas réussi, mais tu n'as qu'à faire équipe avec moi, bijou. Tu verras, je suis trop fort. Ouais, vous êtes de retour. Bon, bah, comment le plan s'est passé? C'était bien ou pas? Non. Ah, c'était pas bien, ça n'a pas marché. Ok, ben bah on essaye le plan suivant. Je suis pas convaincu. Votre erreur, à la fois, c'était d'essayer de prendre son beau. Clairement, ça n'a pas marché. Donc, vous allez juste lui dire que vous voulez Helio pour lui. D'accord. Et bien sûr, il posera juste son bouquin et viendra nous voir, non? Bon, allez, essayez. On va voir. Et revenez avec la bonne nouvelle, hein. Hey yo! Vous voulez réessayer? Bah écoutez, vas-y, hein, ça peut pas nous faire du mal, hein. Ça l'énerve, mais bon. Hey yo! Ah, vous faites trop de bruit! C'est la merde, je peux pas me concentrer sur mon livre du tout. Vous pourriez pas faire du bruit ailleurs? Après, un parc d'attractions, c'est un peu le pire endroit pour lire un bouquin, mais... Donc, mon plan, il était parfait, n'est-ce pas? Non. Ton plan est un échec. Quoi? Ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Allez, nerf! Allez, nerf de ce gars! Il sait qu'on essaye de le Heyo pour lui. Et les corps en train de nous ignorer. Impardonnable. Il n'y a plus de temps à perdre. C'est ce qu'on va faire après. Le problème est... J'ai plus d'idée en fait. J'ai plus de bonne idée. Bijou, t'aurais pas une idée, n'est-ce pas? On peut toujours le Amaha. Le ah! Écoute, je suis un peu coincée, j'aimerais lui parler, mais je pense que ça sert à rien. On va faire un tour de chaque manège. Comment ils ont fait des efforts de malade pour faire ce genre de graphisme, quoi. En tout cas, Bijou a l'air de s'amuser. Hein. Je suis sûr que le roller coaster, c'est la solution. Bien sûr, vas-y, on rentre.
C'est quand même les montagnes russes les plus libres du monde, aussi avec le moins de cartes du monde, parce qu'il n'y en a que deux, hein. Tenez vos chapeaux, heureusement qu'on n'a pas de chapeau. On n'a pas de chapeau. Tiens, Bijou, elle est super excitée et Abdao est juste super hackée. Et il y a un fantôme avec nous, ok. Et attends, ils ont fait des efforts, ok. Pour d'un Game Boy Advance, c'est des efforts là. Abdao, il a juste détesté ce moment. Bon retour, alors, comment c'était l'aventure de votre vie ou pas? Mon sang, tu as toujours pas trouvé, mais où est-ce que t'as bien pu le mettre? Je sais juste pas, c'est bizarre. Incroyable. C'est pas une raison de rigoler, tu devrais mieux te ressaisir là. Oui, ok. Nous devons aider ce jeune couple, et sinon ils vont divorcer devant leurs enfants. Bonjour. Je suis, j'ai des ennuis, j'ai perdu ma mallette, elle est perdue! Ouais. Mood. Vous avez appris le mot Lost. Bon sang, j'ai dû la faire tomber. T'en rigoles! C'est pas une raison de rigoler, pas la chercher, mon sang! Oui, ok! Ça va, petit? Popcorn, je veux du popcorn! Arrête ça tout de suite! Je t'ai dit que sans le portefeuille de ton père, on pouvait pas t'en acheter! Oh, Dieu! Je suis désolée, vous nous voyez vraiment à notre pire. S'il vous plaît, ne soyez pas inquiets. Apprendre la patience, ça fait partie de l'idée de grandir, non? Oh. Bonjour. Amred! Bonjour à vous, je suis le leader sans peur des Amrangers. Amred! C'est sûr de venir et de regarder notre spectacle, hein. À l'endroit de performance où vous pouvez bouger votre petite patte. Pourquoi je suis jamais allé ici? Attends, du coup, il aurait pu avoir perdu si, écoutez. Salut! Yo les gars, vous avez essayé Sticky Note, c'est tellement drôle! Hein? Vous ne seriez pas les champions sur la liste, n'est-ce pas? Non, c'est pas nous. Bien sûr que non, ce serait absurde, terriblement désolé. Ouais, bien sûr, je vais essayer. Ok, c'est très simple. Une fois que le jeu a commencé, les petits bouts de papier vont flotter par terre. Utilisez Sticky pour les attraper. Attrapez les morceaux que vous voulez. Et quand le timer aura atteint zéro, bah, ce sera fini. Ok, donc les papiers roses, c'est 50 points. Les papiers bleus, c'est 30 points. Les papiers blancs, c'est 10 points.
Ah puis j'ai invoqué d'or dans ça quoi. Regarde, ça va réessayer, je pense que on peut faire mieux. Je pense qu'en plus on doit battre leur corps donc Ok, je me suis genre juste complètement planté. Bon, j'ai super mal joué, hein. Écoutez, on s'améliore. C'est pas dit que je vais attraper, mais c'est pas grave. Ok, par contre, j'ai cassé le bonus de temps, d'accord. Hein. Écoutez, je vais battre les champions. Ah merde. Le jeu, c'est que je suis persuadé que t'inventes un concept comme ça, il y a des gens qui vont y jouer. Hein. Ouais, je sais, j'ai raté moins de bleu. Oh, come Oh, come on, à quel moment je l'ai pas eu Non, c'est bon. Sinon, on va faire ça toute la journée. Bonsoir, c'est quoi ton jeu à toi? Bienvenue et bienvenue au Tic-Tac-Q. Faites rouler la balle et casser le maximum de ballons pour avoir des super prix. Regardez le board pour regarder la liste complète des prix.
Allez, une petite partie. Oui, vas-y, comment ça marche? Ok, donc on utilise ta queue pour lancer les ballons. Ok, donc je dois casser les ballons dans l'ordre. Je vais essayer avec bijoux. Ah ok, mais en fait là j'ai rien pressé, hein, d'accord. D'ailleurs, remplis une ligne, va-t-il être pris 3 graines. Je contrôle pas Bijou en fait, elle fait ce qu'elle veut. Donc je vais jouer mais avec un tarot. Ok, j'ai rempli deux lignes. Ah, j'ai raté celui que je voulais. Il n'y en a plus que trois. Cinq lignes. On a reçu un caillou. Oh, come on. Bien sûr qu'il a reverse à ce moment-là. Bon, là, j'ai fait de la merde, donc on va laisser passer, hein. C'est dommage parce qu'à un moment j'ai presque tout complété quoi. Ok, il me manque 2 et 8. J'aimerais au moins avoir un truc qui correspond. Et bien sûr, je l'ai manqué. Ah non, il me reste encore un tour. Bon, bah, j'ai skippé le 2, hein.
Ah, dommage, il m'a pas donné le 8. Je peux le compléter, je sais que je peux. Bon, j'ai gâché le premier tour. Ouais, j'ai un peu joué comme de la merde, ouais, je suis d'accord. Bon, je me donne un dernier essai. C'est la personne qui a l'air addict. Ok, j'ai deux lignes, mais c'est une ligne centrale. Oh, come on, il a pris le one-up, vous êtes sérieux? Cinq lignes. Pas mal, j'ai recommencé. De toute façon, j'ai fait de la grosse merde. Attends, je vais me suicider. Mais là, le one-up était super mal logé, quoi. Oh, allez, quoi, je l'ai pile manqué. Est-ce que je suis extrêmement têtu? Oui. Bon alors ce one-up j'aurais pas eu parce qu'il y aurait eu la tête de mort. Oui j'aurais fini les one-up. Et alors? Pour avoir un one-up il faudrait qu'il y en ait un qui arrive à moi. Là, parce que les adversaires ont quand même une infinité de coups, hein, je sais à préciser. D'accord, donc il y a un seul one-up par partie, c'est ce que tu es en train de me dire. Autant le récupérer tout de suite.
Ok, je crois que j'ai une technique. Oh, comment un adversaire a chopé pile le one-up, bien sûr. Ok, bon, le one-up n'a servi à rien là. Là, j'ai fait de la merde. Bah écoutez, faut qu'on a une mission, on doit la remplir. Ok, donc je dois creuser. Ok, donc il y a des symboles. Ok, donc on doit faire une paire. Ok, donc ça c'est une carte joker. On a matché deux symboles, donc ça fait deux icônes. Deux icônes. Le truc, c'est que ça repose partiellement sur la chance, donc bon. En vrai, je pense qu'en... J'ai oublié, merde. Vrai, ce qu'il y a, c'est que c'est le jeu qui te rembourse le plus. Ok, donc... Attendez, je vais regarder les cadeaux. La corne, deux icônes, un caillou, 10 sunflowers. Des prix. Alors, un truc parfait, c'est une flower waltz. Céline, c'est deux icônes. Voilà.